La Nana Lambda est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Patricia. Alors, lananalambda.fr, un blog sur lequel on trouve une foultitude d'idées, de bonnes adresses, de coups de cœur, et puis d'humeur aussi parfois. Oui, parfois. Hein, un petit peu de tout. Mm-mm. Alors, la coup de cœur, il y a eu. Oui. Apparemment, à Volvic. À Volvic. Alors, racontez-moi ça. Je suis tombée sous le charme de thé à coudre. Thé à coudre, thé comme la boisson. Hein. Voilà, exactement. Mm-hmm. Un petit clin d'œil parce que c'est un bar à couture en fait. D'accord, on connaissait les bars à chat, les bars à soupe, les bars à chocolat, mais pas encore les bars à couture. Voilà, et ben c'est tout nouveau et c'est à Volvic. C'est un endroit vraiment charmant, avec plein de charme, vraiment avec une jolie petite terrasse pour pouvoir boire un verre. Tranquillement, avec les beaux jours en ce moment, donc exactement. On s'installe. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? On apprend à repriser les chaussettes? Ah non. Alors on peut, je pense, hein, oui, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est plutôt de se créer des petites pochettes, des jolis coussins avec plein de jolis tissus. Donc, les tissus sont déjà là-bas. Voilà. D'accord. Dans le principe, on fait comment? C'est-à-dire qu'on dit « Coucou, j'aimerais boire un coup et me fabriquer un coussin ». Alors, ça doit être sur réservation. Hein. Et puis, on peut également, je pense, faire des... Elle fait des forfaits, je pense, aussi. D'accord. Voilà, une jolie idée cadeau. Hein. Ça peut être très sympa. Alors, plusieurs petites questions que j'ai à vous poser. On vient sans son matériel, c'est-à-dire qu'elle a tout ce qu'il faut, Elle a tout ce qu'il faut, exactement. Il y a des machines à coudre aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est pas juste à la main, quoi. Ah non, c'est vraiment à la machine. Elle nous apprend à coudre à la machine. D'accord, mais c'est vraiment un truc de fille où ça doit papoter là-bas dedans, comme chez le coiffeur, j'imagine, d'ici, le truc. Certainement, oui. D'accord. Donc... Mais il y a certainement des garçons aussi, je sais pas, faudra que je lui demande. Moi, je connais des hommes qui aiment la couture, ben oui, pourquoi qui savent, pas. Qui savent coudre. Hein, ouais, pourquoi pas. Donc, c'est à Volvic. Elle a peut-être bien, cette dame-là, une page Facebook, quelque chose peut-être sur laquelle on peut tout trouver. Tout à fait. Il y a une page Facebook qui s'appelle Thé à coudre. Thé à coudre. Voilà. Sur laquelle, donc, je pense qu'il y a peut-être des annonces du genre, si un jour elle fait un atelier spécial. Exactement. Ouais. C'est nouveau, ça, à Volvic? Oui, c'est tout nouveau. Elle a ouvert la semaine dernière. Ah, d'accord. Et vous connaissez les personnes qui se sont lancées là-dedans? Oui. Alors, Julie, je l'ai également rencontrée lors d'une soirée Et les filles, c'est jeudi. Et franchement, elle est adorable et elle a plein d'idées. Donc, et alors, elle doit passer de machine à coudre en machine à coudre, vérifier si vous faites bien les choses. Exactement. Ça peut être un après-midi vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, ça s'appelle Thé à coudre. Oui. Faut pas se tromper. C'est à Volvic. À Volvic. On a une page Facebook, mais pas que, puisqu'il y a forcément, vous avez dû en parler aussi, je suppose, hein, sur le blog. Sur le blog, lananalambda.fr. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. C'est parfait.